Bonjour à tous, bonjour à toutes, me revoici pour une nouvelle vidéo. C'est les blagues à 1 euro. Bon, bah, vu que le prix de l'essence descend, j'ai décidé que le prix des blagues également. Voilà, c'est des blagues, c'est des anciennes blagues, c'est des blagues qu'on peut trouver sur Internet, c'est les roucasseries, enfin voilà, les roucasseries, il a fait des bouquins qui sont très bien aussi. C'est des blagues qui viennent de là, voilà. Voilà, c'est donc les blagues à 1 euro aujourd'hui. Alors, la première blague que j'ai tirée au sort. Alors, c'est une histoire de cannibale. Un jour, deux explorateurs se font attraper par eux, un Belge et un Français. Le chef les met dans la marmite. Toute la tribu Bambara se met à danser autour. Et pourtant, rien à faire. Le Belge se marre. À un moment, un peu agacé, l'explorateur français lui dit: Pourquoi tu rigoles? Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Et le Belge lui répond: Ne le dis pas, je viens de pisser dans la sauce. Je viens de pisser dans la sauce. Alors, ça se passe en Afrique. Ça se passe en Afrique. C'est deux indigènes, deux vieux sorciers bantous qui discutent ensemble. Et il y en a un qui fait: Je connais la jungle, je connais la savane, je connais tout. Ouh là là, j'en ai vu des animaux, hein, des grands, des petits, des gentils et des méchants. Eh bien, justement, tu sais lequel est le plus méchant? Non. C'est le crocolion. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, le crocolion que je ne connais pas? Attends, je vais te dire, le crocolion, c'est un animal très méchant parce qu'il a une tête de lion et à la place de la queue, il a une tête de crocodile. L'autre fait: Si je comprends bien, il ne peut pas faire caca. Ben non, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est très méchant. Et voilà. Alors. C'est dans un bar. Il y a un mec qui est ivre-mort. Il se penche vers son voisin et dit: Pardon, excusez-moi, mais ma braguette, elle est ouverte ou fermée? Le mec se penche et lui fait: elle est fermée. Bof, tant pis, je pisse quand même. Tant pis, je pisse quand même. Alors, une autre ici. Ça se passe en Belgique, un jour de pluie. Une dame promène son landau dans un square, ou dans une rue, un square, on peut aussi dire. Tout à coup, elle croise Madame Grinder et se penche au-dessus de la voiture d'enfant et qui fait: Mais dites-moi, votre bébé, il est en plastique, il est en celluloïde? Et la maman belge, elle va lui répondre: Avec le temps qu'il fait, vous croyez que je ne vais pas le sortir le vrai pour une fois? Ou bien... Voilà. C'est deux Marseillais qui discutent et il y en a un qui dit à l'autre: Tu ne voudrais pas me racheter ma villa? Ah, ça non! Je ne vais pas te racheter ta villa, elle est humide. Justement, je te la vends 1000 francs le litre. C'est un monsieur qui passe à la frontière italienne et le douanier lui fait: Arrêtez-vous là, garez-vous là, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez de l'alcool? Non. Vous avez des armes? Non plus. Vous avez de la drogue? Mais non. Vous en voulez? Vous en voulez? Voilà. Voilà, c'était les blagues d'aujourd'hui que j'avais envie de vous faire. Demain, il y aura aussi une vidéo soit sur les blagues ou soit sur le développement personnel, mais je pense que ça sera plutôt sur les blagues. Jeudi, il y aura une vidéo aussi. Et la semaine prochaine, il y aura peut-être des changements. Mais ça, je vous expliquerai jeudi en temps voulu. Je vous remercie tous et toutes de votre bienveillance, de vos messages super choux, super sympas. Vous êtes vraiment trop cool avec moi. Voilà. Voilà, je vous remercie tous et toutes. Vous êtes super.
dans mon cœur là. Je vous aime tous et toutes. À demain pour des nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Bye bye à tous. Bonne journée ensoleillée.